En gros, ça s'appelle les épreuves de vérification des connaissances en médecine. C'est-à-dire qu'il y a un concours pour vérifier que si vous êtes médecin ailleurs, vous pouvez venir travailler en France. Les concours ont été les résultats ont été publiés vendredi. 2000 places. Les trois quarts des candidats venaient du Maghreb. Et sur les 2000 places, les 1200 médecins sont algériens. Est-ce que, on parlera d'immigration tout à l'heure, mais est-ce que vous souhaitez poursuivre cette politique-là ou est-ce que vous voulez y mettre fin? Je veux y mettre fin. Donc on se passe de ces 1200 médecins, par exemple, en plus. On se passe de ces 1200 médecins et on les laisse à l'Algérie, qui en a bien besoin. L'état de délabrement des hôpitaux algériens et de la santé des Algériens nécessite absolument qu'ils gardent ces médecins qu'ils ont formés. Et ceux qui sont là, pour l'instant, il y a environ 15 000 médecins algériens en France. Est-ce qu'ils doivent repartir? S'ils sont là, qu'ils ont un titre de séjour régulier, ils restent là. Mais moi, je trouve scandaleux ce qu'on a fait. C'est-à-dire que vous comprenez, il faut bien juger la politique globalement. Depuis 30 ans, on a empêché des jeunes Français de faire médecine, je le répète, pour un quart de point, pour un demi-point. Et tout ça pour aller chercher ensuite des médecins algériens ou tunisiens ou marocains qui d'abord qu'on enlève à leur pays, il n'y a aucune raison de l'enlever à leur pays. L'Algérie, qui est moins peuplée que la France, forme plus de médecins que la France. Et en plus on les paye moins. C'est vrai, absolument.